Auriez-vous imaginé qu'on puisse livrer un jour de la nourriture, du matériel médical aux soldats en pleine guerre à Gaza, le tout à travers les airs? Eh bien oui, c'est aujourd'hui possible grâce à l'unité aérienne de ravitaillement. Regardez. Oui, ça fait quand même beaucoup. Mais quand on sait qu'ils peuvent préparer 300 colis de ce genre, ça veut dire ravitailler 24 000 soldats, alors là, franchement, on est bluffé. Alors on s'interroge, comment les livraisons arrivent-elles à destination sans être endommagées? Après tout, les seringues pourraient arriver endommagées après un mauvais atterrissage, ou alors les bombes pourraient exploser en plein vol. Or, tout arrive en parfait état de marche. Sans parler de la technologie, chaque colis est capable de s'auto-diriger à quelques mètres près et d'arriver au soldat en question. En somme, une unité incroyable qui apporte son soutien au cœur des combats les plus durs à Gaza. Alors bravo à cette unité qui fait plaisir à voir et qui sauve des vies.